Ai-je la protection qu'il vous faut? Il n'y a pas plus résistant. Ça vous protégera. Avec ça, vous ne craignez rien. Il n'y a pas plus résistant. Avec ça, vous ne craignez rien. Merci. Soyez fort et stable comme le mont Kubara. J'ai tout ce qu'il faut pour votre épée. Pardonnez-moi. Vous n'avez pas ce qu'il nous faut pour effectuer le travail. Ce fut un honneur de vous servir. Jin. Dame Masako, vous avez survécu. Beaucoup n'ont pas eu cette chance. Je n'étais pas présente quand mes fils sont morts, mais j'essaie d'accompagner au mieux ces fils-là dans la mort. Le seigneur Shimura veut que nous lancions l'attaque à l'aube. S'il existe un autre moyen qui peut épargner ces enfants-là... C'est possible. Fais ce qu'il faut. Je te soutiendrai. C'est mieux. Entraînez-vous encore. Sensei, le seigneur Shimura veut réparer le pont. Nous frapperons à l'aube. Le Khan ne s'attendra pas à une telle manœuvre.
Hésiter pourrait nous coûter encore plus de vie. Nous pourrions faire autrement. Oui, en enfreignant le code d'honneur de ton oncle. Non, en épargnant des vies. Fais attention, Sakai. Vous désapprouvez ? Je n'ai pas dit cela. Et si nous renforcions votre arc ? Une portée et une précision sans faille. Au revoir. Faites bon usage de votre arc. Tsushima te pleure. Seigneur Sakai. Naryo, j'avais peur que tu sois mort sur le pont. J'ai bien failli. L'explosion m'a projeté à terre et a emporté ces braves guerriers dans l'au-delà. Ils auront un enterrement digne, une fois le château repris. Vous croyez en nos chances ? Il y a toujours une chance. Ne perds pas espoir, Naryo. Jamais, Monseigneur. Il répare le pont sur les ordres de ton oncle. Le seigneur Shimura compte mener son plan jusqu'au bout. Peu lui importe la vie de ses hommes. Ces gens sont venus se battre. Pour toi. Combien d'aconites du loup peux-tu trouver en une heure ? Quelques poignées. Va voir les autres. Dis-leur d'en cueillir autant que possible. Tu veux empoisonner les Mongols ? Je vais m'introduire dans le château et en verser dans leur lait. Je veux voir le Khan se noyer dans son sang. Ton oncle finira par comprendre. Je sais. T'as qu'à préparer quelque chose pour toi. Je n'étais pas sûre que tu en veuilles, mais... s'il t'arrive malheur... N'aie crainte. Il voulait te donner ça. C'est tout l'aconite Tulu que nous avons. Est-ce que ce sera suffisant ? Je m'en assurerai.
Si j'atteins cette tour, je pourrai évaluer les forces du Khan et trouver un moyen d'empoisonner ces hommes. J'élimine les gardes discrètement. Ensuite, je ferai le tour depuis le dernier étage. Maintenant, je dois trouver un moyen de les empoisonner. Le chemin du jardin. Peu de gardes et beaucoup de planques. Je peux empoisonner le lait fermenté du Khan, laisser ces hommes boire l'airag, puis tuer tous les survivants. Un chapeau de paille. Ryuzo, j'aurais dû m'en douter.
fortifications. Des explosifs. Mon oncle nous mène tout droit au massacre. Je dois accéder à l'Airag sans me faire remarquer. Mieux vaut passer par le jardin. On atteint le banquet et on emploie.
Chiharuo. Doué. C'est là qu'il garde le lait. Je dois y ajouter le poison. Thank you.
plus qu'à attendre. Il n'est pas statoré. Jean. Où est le Khan? Il est parti au nord. Il m'a dit de rester pour lui ramener la tête du fantôme. Alors viens la chercher. Non. J'ai déjà eu l'occasion de te tuer. Mais j'ai convaincu le Khan de te laisser une chance. Il a massacré Taka! Et toi, tu as massacré mes hommes. Il ne me reste plus rien. À part toi. Ensemble, nous pouvons vaincre les Mongols. Après tout ce que tu as fait! Dis à tout le monde que j'étais ton espion. Que je devais gagner la confiance du Khan. Ils croiront le fantôme. Arrête! Tu es mon plus vieil ami, Ryuzo. Rends-toi. Et réponds de tes crimes. Il en dépend de notre salut. Je ne peux pas. Tu aurais dû te rendre! Je ne mourrai pas de la main de ton oncle. Tu ne m'arrêteras pas, Ryuzo. Le poison. Tu as désobéi à ton oncle! Tu ne m'as pas laissé le choix! Je ne te pardonnerai jamais! Adieu, Ryuzo.
Ryuzo. Bien. Le château est vôtre. Le Khan marche vers le nord. Nous pouvons le rattraper. Tu m'as défié. J'ai fait ce que je devais faire. Pour eux. C'est comme cela que tu veux passer à la postérité. Il nous a défendus. En semant la peur et le chaos, c'est ça. Nous sommes en guerre. Et tu te comportes à l'image de l'ennemi. Pas en samouraï. La voix des samouraïs ne sauvera pas cette île. Le Shogun exigera un coupable. Mais tu n'as pas à être celui-ci. Je sais que c'est elle qui t'a poussé à faire cela. Mon oncle, renonce au fantôme. Tiens-la pour responsable de ce déshonneur. Dis-leur que tu es Jin Shimura, fidèle serviteur du Shogun. Mon héritier. Mon fils. Je ne suis pas votre fils. Je suis le fantôme. Alors tu seras jugé comme tel. Trouve le Khan. Jin. Pour Taka. Pars. Qu'est-ce que tu fais là ? Le seigneur Shimura m'a fait livrer du saké, pour vous remercier de l'avoir aidé à reprendre son domaine. Je surveille le prisonnier. Il n'ira nulle part. Mais si vous tardez, vos amis boiront tout sans vous. Je n'ai rien avalé d'autre que de l'eau depuis que nous sommes ici. Oh, vous le méritez, ce saké. Kenji, que fais-tu ici ? Vous le voyez bien, je vous libère ! Si je m'enfuis, je ne pourrai pas unir notre peuple contre le Khan. Je ne regagnerai pas la confiance de mon oncle. Si vous restez, il vous enverra au Shogun pour être jugé. Les ordres viennent d'arriver. Le peuple a besoin de vous, Seigneur Sakai. Yuna a besoin de vous. Où est-elle ? Elle est allée au nord, sur les terres gelées, pour traquer le Khan. Elle a votre sabre. Elle est en train d'attendre le fantôme. Pardonnez-moi, mon oncle. Trouve Masako, Norio et Ishikawa-sensei. Envoie-les au village d'Omi.
Yuna et moi, nous vous ouvrirons le passage. Elle vous attend à Kin, avec votre équipement, à l'arbre sacré. Votre cheval est dans l'écurie extérieure. Une servante m'a parlé d'une clôture endommagée près de la porte. Glissez-vous par là. Je vais faire diversion. Mais je ne veux pas être là quand ils verront que vous êtes parti. Merci, Kenji.